l'ai vu passer ici. Oh là là, je sais pas quand est-ce qu'on va réussir à s'en débarrasser de celui-là. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé encore un truc de fou dans cette maison. Je pensais pas que c'était possible parce que la semaine dernière on a mis plein de caméras pour filmer, même devant la maison, dans la maison. On a mis des alarmes partout parce qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de rentrer chez nous pour prendre des affaires. C'est incroyable. Peppa Pink, Peppa Pink, viens. Viens ici. T'aurais pas vu mes baskets? Tu cherches quoi? Bah mes baskets, je les cherche depuis tout à l'heure. Tes baskets? Ouais, c'est pas les chats qui les ont... Non, mais à mon avis, elles ont été volées, hein, comme le reste. Je les avais posées juste là, je me souviens tout à l'heure, il y a même pas deux heures. Et puis là, j'ai... elles ont été volées comme le reste. Bon, viens, je dois te montrer un truc, viens. J'ai démarré une vidéo pour expliquer tout ça aux abonnés, parce que c'est incroyable. Il se passe encore un truc? Je pense que je l'ai vu rentrer. Qui? Bah le mec là, qui essaie de voler chez nous depuis une semaine. Non. Mais si. Salut. Tu l'as vu ici? En fait, j'étais tranquillement dans le salon là-bas. J'étais dans le salon et là j'ai vu quelqu'un monter par les escaliers. Mais je suis pas sûr de l'avoir vu parce que c'était un peu comme une ombre. Enfin, j'ai vu quelqu'un passer du coin de l'œil, quoi. Ça explique peut-être pourquoi mes baskets, je les retrouve. Ah non, mais ce matin. Alors oui, donc les amis, on vous a pas fait encore de vidéo là-dessus, mais en gros. Il y a le téléphone de Lieros qui a disparu. Moi, il y a ma tablette. Il y a un ordinateur qui a disparu. Il y a plein de choses qui ont disparu. Bon, les baskets de Peppa Pink, tout ça. Et c'est incroyable parce que à chaque fois, la porte est fermée à clé. On la ferme à clé. À chaque fois, il y a des gens qui réussissent à rentrer. Et on sait pas de où ils viennent. Et on dirait même qu'ils ont la clé de chez nous. C'est ça qui est incroyable. On dirait qu'ils ont la clé parce qu'ils rentrent sans casser la porte, quoi. Tu vois rien? Mais pour moi, il est à l'étage. Hein. J'ai vu quelqu'un passer à l'étage. Ici. Non, là, on le verrait. La pauvre cachette gaming qui a été inondée. C'est pour ça qu'on a du tout enlevé, les amis. Bon, allez, c'est parti. On va fouiller toutes les pièces. Vas-y, fouille ta chambre. Moi, je vais aller voir dans la chambre de Lily Rose. On verra bien s'il y a quelqu'un. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelqu'un ici. Eh oh! Il y a quelqu'un? Oh, c'est bizarre. D'ailleurs, attends, il y a des choses qui ont bougé ici. Là, je... Peppa Pink! Viens ici, viens. Viens. Il y a des choses qui ont bougé dans la chambre de Lily Rose. Entre. Tu sens pas? Non, mais... Il y a un parfum particulier, je trouve. Non, il n'y a pas de parfum, mais là, on a fait une vidéo tout à l'heure. Et je me souviens, Lily Rose, elle avait mis le bazar sur la table de sa chambre. On a fait une vidéo, il y avait du bazar, il y avait des objets. Bah, il y avait ses bouquins, Non, mais il y avait autre chose, il y avait une raquette de ping-pong, il y avait un déodorant, enfin bref, c'est des objets qui sont pas très importants, mais je suis sûr que ça a bougé. Lily Rose, c'est toi qui as bougé les choses? Non, mais Lily Rose, elle est au sous-sol, elle est dans le Pink Lily Shop, elle est en train de signer des autographes pour les gens qui ont commandé des CD. Il y a quelqu'un? Hé! Oh! Peppa Pink, viens! Hein? Regarde! C'est quoi ça? C'est quoi? Éloigne-toi, c'est quoi ça? C'est quoi? Vous êtes qui? Ah, mais c'est le clown! Attends, éloigne-toi! C'est le clown Marius! Qu'est-ce que tu fais là? Il a les... Et qu'est-ce que... Pourquoi tu prends nos... Rends ça! Non, mais rends ça tout de suite! Rends ça! Mais attrape-le! Attrape-le! Non, mais viens ici! Mais... Punaise! Putain, reviens ici tout de suite! Allez! Non, mais... Mais j'arrive pas à l'attraper, il est... Mais où il va, lui? Bon, mais c'est donc lui. C'est le clown Marius. Vas-y, attends. Je regarde s'il a pris d'autres choses. Bon, les amis, depuis le début, du coup, c'est le clown Marius. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Je me disais, quand est-ce qu'il allait revenir? Ah, c'est sûr, il a dû nous prendre, il a dû prendre une clé de notre maison. Quand il est venu la dernière fois, il a pris une clé. Et maintenant, il peut rentrer sans casser la porte. Bon, visiblement, il n'a pas pris autre chose. Je vois que toutes les affaires de Lily Rose sont là. Je vais quand même la prévenir parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vais éteindre la lumière. Bon, allez, maintenant, il faut aller le chercher et récupérer toutes nos affaires. Parce qu'entre l'ordinateur, la tablette, le téléphone, au bout d'un moment, il va finir par vider notre maison. Vous l'avez vu passer, déjà? Vous l'avez vu passer? Ouais, ils s'en foutent. Eh oh. Ils dorment, ils veulent dormir. Vous vous en foutez de ce qu'on raconte? Les chats, vous connaissez le clown Marius? Ils connaissent pas le clown Marius. Bon, on va arrêter de rigoler. Bon, maintenant le clown.
Ça suffit de te cacher dans le shop. Non mais... Alors non, cette fois on se fera pas avoir. Non, non, le clown. Ça suffit, là t'es cerné, on sait que c'est toi. C'est pas moi. Non. Regarde ce que t'as dans les mains on là. On sait que c'est toi. Non, non, allez, tu vas arrêter de prendre des affaires de Lily Rose, tu vas tout nous rendre. Pense pas ça à moi, j'ai travaillé dur pour... Comment ça, vous avez travaillé dur? Ouais, bah oui. T'as pas passé les commandes aussi? Attends, d'ailleurs. Bah si, c'est moi qui passe les commandes. Ouais, reste là, de toute façon tu peux pas sortir. Y'a pas de sortie par là. Il prend les stylos. Viens ici, Peppa Pink. Qu'est-ce qui se passe? On va l'enfermer. On va le laisser ici. Attends, je dois te parler d'un truc. Tu reconnais pas sa voix? C'est pas la voix du clown Marius? Maintenant que tu me le dis, ça ressemble au cousin. Non mais c'est pas la voix du clown Marius. Bah oui. Le clown Marius, il parle un peu comme ça. Et là, on dirait une voix qu'on connaît. On dirait la voix du cousin relou. Exactement. Maintenant que tu le dis, on va faire un essai. Qu'est-ce qu'il ferait ici? Attends. Et d'ailleurs, là, c'est pas du tout la tenue... Il est pas habillé comme le clown Marius. Bah non, il s'habille comme le... Bah justement, il s'habille comme le cousin. Ouvre la porte. Et le cousin, comment il s'appelle déjà? Mais le cousin, il s'appelle Valentin. Allez, vas-y. Valentin! Le clown Marius, on sait qui tu es. Montre-toi. Je suis qui? Ah! Non! Attends, vas-y, enlève. Je m'en doutais que c'était toi. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Valentin? Non, mais tu croyais nous avoir comme ça? J'ai aucune reconnaissance dans mon travail. Comment ça, aucune reconnaissance. C'est moi qui fais toutes les commandes. Mais n'importe quoi, on t'a dit de plus venir ici. Comment ça? Oh non, regarde, tu vas pas commencer. Une trousse, une gourde, alors qu'on est presque en rupture de stock. On est en rupture de stock de gourde et toi tu prends celle des gens qui ont commandé. Et alors? Regarde, et pourquoi t'as pris la raquette de Lily Rose? C'est moi qui l'ai achetée. Non, elle me l'a volée. Ça suffit, ça fait une semaine qu'il y a des vols à répétition chez nous. Maintenant on sait que c'est toi le responsable. Et de toute façon c'est vrai, il y a que toi qui pouvais avoir les clés de chez nous. Regarde, Steven, c'est même pas sa taille. Et alors? Bah, il fait ça. J'ai le droit de porter ça quand même. Il les revendre à des abonnés. Bon, écoutez les amis, il y aura une très grosse vengeance. On va se venger du cousin relou. Parce que ça fait longtemps qu'on a... Non mais t'inquiète, de toute façon il va pas partir d'ici. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des prank stories sur la chaîne. Qu'on s'est pas fait des pranks entre nous. Des vrais sketchs comme ça. Vous inquiétez pas, le cousin relou, pour l'instant tu vas pas partir de chez nous. Et quand Lily Rose reviendra là, quand elle aura fini ce qu'elle a à faire, on va s'occuper de toi très bien. T'inquiète pas. L'odeur, regarde. Eh bah oui, parfum à la vanille. Bah oui, t'as voulu voler du parfum, du déodorant. Bah on veut jamais m'en donner. C'est vrai que tu devrais en mettre. Ça par contre, on va peut-être te le donner. Quoi? Bon, en tout cas, les amis. Oui, c'est vrai. Il y aura une vengeance sur le cousin relou. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées de prank en commentaire. Comme ça, on va les faire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît juste ici. Juste ici pour continuer à rigoler avec nous. À la prochaine. Ciao.